On va savoir si oui ou non, Nano, le débilo, qui n'aura battu dans toute sa vie que Mary, le plus gros débile que lui, peut-il battre en clutch 1v5 l'intelligence artificielle. S'il perd, il doit 100 euros. S'il gagne, on fera un show match des héros des pattes. Ah, il est mieux avec la barbe en vrai, on me dit. Ouais, je pense que ça cache un peu le visage, c'est pour ça. Et ça va ? Et toi ? C'est parce que t'étais muté, ça me faisait plaisir de te poser les questions et de voir que tu répondais comme un gros débile. Ouais, j'imagine, ouais. Ah, ça fait du bien. Ça s'appelle un anti-stress, si jamais. Faut que t'arrêtes. Non, bah non. Bon, t'as ça va bon anti-stress. Mais écoute, ça va bien. Je me réjouis de voir si je peux le faire ou pas. Mais ma question, c'est j'ai qu'un seul essai ou comment ça se passe? Tu les achètes, les essais. C'est comme ça que ça marche. Ouais, mais mon premier, il est gratuit, on est d'accord. Non, que dalle. Si tu perds, là, tout de suite, tu fais un match, t'es en BO1, ok? 100 euros qui partent pour la prod. Okay, oui, si je perds, mais si okay je gagne. Bah, si tu gagnes, t'as un match, ok? Après, si tu veux que ça s'arrête en BO1, bah là, t'as gagné, tu vois. C'est là, c'est tout bénef pour toi. Tu dis, ok, c'était BO1, moi j'ai gagné, c'est bon. Okay. Après, si tu perds, en revanche, tu peux décider que c'était un BO3, mais tu vois ce que ça veut dire. Mais t'as l'air tellement sûr que je vais perdre. Ah non, 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 franchement, je sais pas. Il y a une partie aléatoire que je ne dirai pas. Du coup, je jouerai un opérateur que je joue jamais, genre mais soit que tu, Glaze. Faut que tu me le dises, que je prenne un opérateur qui te gêne pas, tu vois. Ok, alors je vais prendre, bah du coup, je vais prendre Glaze, allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Mais le but du jeu, du coup, c'est de t'humilier ou pas? Mais le but du jeu, c'est que je vais gagner, même en prenant Glaze. Ok. Putain, mais t'as tellement, mais zéro confiance en moi, je te rappelle que j'ai été ton élève un temps, hein. T'as été mon élève, parce que tu m'as payé. Ouais. Ouais, oui, reprends une petite lampée. Allez, c'est parti. Mais en fait, ils sont complètement débiles, quoi. Tu peux y aller en mode rien à foutre. Sur ce bomb site, ça va aller, hein. Mais les autres bomb sites, ils perdent. Moi, je suis sûr et certain, ils perdent. Ils perdent 2-1. Bon, ça va, en vrai, ils sont complètement cons, hein. Please, qu'il se fasse enculer, il va pas voir le Capcan, le Capcan, le Capcan, le Capcan, le Capcan, les Capcan, les Capcan, les Capcan, les Capcan, les Capcan dans 3, 2, 1, 0. BAM! Le Capcan, c'est une blague? What? What? Yes! Et genre, elle a fait le tour de la map? Je ne dis rien. Et what? Et c'est en 3, je crois. Premier en 3. Ok. Le petit Capcan. Il meurt au Capcan. Il va mourir sur un Capcan. C'est à peu près. Oh, gros crosshair placement! Toujours viser là. Toujours viser là. Extrêmement important. Putain, Glaze, c'est vraiment un truc de quand même. Mais. Mais de où il me voit à travers sa smoke, lui? Bah, il voit ton trait. T'as pas de silencieux. J'ai trop peur, putain. Il bouge pas, ces fils de bot. Hein. Il va se faire cut. Il va se faire cut. Oh, j'ai écouté l'anticipation. Non! Le Capcan! Il est nul! Il est nul! Ah si, mais je vais quand même pas perdre comme des bots, quoi. Qui avait prédit qu'il allait gagner, honnêtement? Mec à droite, y'a un mec à droite! 1v3, les amis. Oh, et la tête de la part de Nano! Fair play, le joueur suisse. Derrière, on va droner, on va prendre les informations. Dans la fosse à huile, on va pusher au niveau de ce tunnel. 1 minute 40. 1v2. Oh, on prend la faux. On n'a pas entendu le drone du côté du défenseur. On est complètement débile. Et on va en profiter du côté de Nano. Au contact de la moto. Le Vla, attention, mais derrière, il y a un cross. Il prend des dégâts, Nano. Le double push intelligent de la part de la team AI. Nano versus Bandit. C'est le clutch de la décennie.
C'est le duel le plus intense qu'on ait jamais vu. 35 secondes. C'est le seul Suisse qui n'a pas de fucking montre. Sa gestion du temps est catastrophique. Le scanning est catastrophique. Il arrive, il arrive, il est overtime. Il va gagner parce qu'il va reprendre son putain de glace. Il va gagner là-dessus. Ça m'énerve. Les putains de bots vont aller dans le putain de garage. Parce qu'il va les attendre devant la porte du garage. Et il va les kill à la porte du garage. C'est tout ce qui va se passer. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Ces putains de bots vont prendre le haut. Il va gagner là-dessus, ce fils de... 2 minutes, il va regarder la porte là, à faire des scans dégueulasses, tel un putain de silver sur PS4. Non, ça me vénère s'il gagne grâce à ça. Please, faites qu'il se fasse. Please. Ah si, mais regarde les autres là, regarde ces débilos là. Please, te donne pas mute. Please, mute, ne bouge pas. Please, mute, ne bouge pas. Ne bouge pas, mute. Yes! Yes! Dans ta gueule! On verra pas ces connards de héros de l'EHPAD, les gars. Ça fait tellement plaisir. Dommage, hein, parce que franchement, le gameplay, porte-garage, ouais, smoke, c'était de la merde, glace. Ah non, franchement, là, on est presque monté à 500 viewers, mon gars, grâce à ce gameplay. Les dronings étaient tellement d'une fluidité quand tu ratais les escaliers, là. C'était ouf. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Bon, bah, BO3, du coup. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, BO3 oh. Tu remets sur le truc sur la table. On peut faire un truc, on n'est pas dans une logique de BO3, d'accord? On peut se mettre dans une logique juste, quitte ou double sans glace. Oh putain. Donc c'est pas dans une logique e-sport, mais c'est dans une logique de gambling. Mais d'accord, bah non, parce que quitte ou double, ça veut dire que si je gagne, j'obtiens rien. Bah si, du coup, t'as 2 matchs des héros. Ah, et t'as si je perds 200 euros à payer. Ok, let's go. Sans glace. Sans glace, ok. Ok. Mais toi, ça t'est arrivé de perdre, franchement? Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, après, je suis pas en mode je vais pas prendre glace, ouais. Quoi. Je push un peu, mais je drone quand même. Et parfois, il peut y avoir des trucs où il te colle un truc un peu de sortie de l'espace, où il peuvent faire des trucs assez marrants, assez intéressants, ouais, qui ont l'air humaines. Ils font chier à prendre le garage, ils sont débiles sur le garage. Il a IQ, il va se prendre des caps quand vous allez voir. Pourquoi il rentre là alors qu'il faisait des kills faciles? Oh! Oh la zizou! Mais what? Elle a voulu me bait! Les mêmes capcans tout à l'heure. Capcans, les capcans. Les capcans, les capcans. Va-t-il se prendre les capcans? Il refait le même move. Ah, quand même. Pourquoi il drone pas, ce fils de... Le mec va être à gauche, là-bas. Il va être dans la constru. Vas-y, ils me font trop peur, ces fils de... là. Mais non! Je fais une fronte en mode bas les couilles. Technique bien connue, hein. Qui a eu cette énorme idée? À ton avis, c'est moi. Ok, ok. Double kill. 1v2. 1 minute 20. Pas d'effet tunnel. Pète ce... Voilà, c'est ça. L'oignon, tranquille. Voilà. Et on drone. Y a-t-il quelqu'un? Vers les extérieurs, d'abord la gym. Putain les gars, faut tout vous apprendre. Ça n'a pas de sens de faire ce que tu fais. C'est une angoisse ces IA, putain. Ouais, ça c'est clair. En plus, il bouge pas et tout. Il va se prendre un capcan, vous pensez pas? Ok, il peut planter là. En vrai, il est bien, ah, il peut planter. Mais il est où le fils de pute là? Mais il est complètement à côté. Non, c'est bon. J'ai quand même envie de vous dire, les gars, c'est quand même la personne, Nano, qui m'a invité chez lui cet été, qui m'a dit « Franchement, viens, toi et moi, on va gagner le marteau. » Le marteau. Concentre-toi, là! Oui, je me concentre. C'est bon, là, calme-toi. Tu te fais péter 2-0 par Saguenay, Bucarest, Berlin, Montréal et Düsseldorf, fils de... Vas-y, okay. Mais... Ok, il a fait un kill. Bon là c'est déjà mieux parce qu'ils sont tellement débiles, il peut le mettre, mais il peut le mettre. Pourquoi je le rate? Mais vas-y, mais ah, Steph, il est sérieux. Il est Steph. Oh putain, il se parle à la troisième personne et tout. Mais vas-y, hein, le Steph. Hein. Oh, 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 oh. Ok. La même. Oh, oh, oh.
1v1, 1 minute 10. On a l'info. Et derrière, c'est une situation de clutch entre Dusseldorf et Nano. Petit pré-shot peut-être, il va essayer de le pinguer, il va essayer de le pinguer. Quelle intelligence! Peut-être avec la perspective. Oh oui, ici, au-dessus. Ah! C'est le mur! Le mur, il a rien demandé, frérot. Le capcan, les capcans, il y en a pas sur la fenêtre. Derrière, ça a bougé. C'est une situation de cloche, c'est horrible. Il reste 7 secondes. Le C4 envoyé par Dusseldorf en plein dans la tronche. Derrière, on regarde, on c'est Dusseldorf, mec, tu peux pas t'en vouloir. Je le voyais pas. Non, bah il a fait la technique de la lanterne. Ouais, désolé, du coup, pas de stream de l'époque, dommage, ma faute. Ouais, je pensais pas qu'il jouait comme ça en vrai. Tellement imprévisible, quoi. Putain, ça me saoule. Vas-y, bien joué. On peut pas faire qui tout double. Enfin, on peut pas faire 4 streams ou 400 balles. T'es en tilt, mec. Non, vraiment. Ça, ouais, c'est la définition du tilt que tu viens de faire. Là, vas-y, on y retourne, ok? Non, c'est la définition du maintenant tilt. Que je vois le truc, que je comprends, oui. Il faut que j'y aille. Non. Parce que sinon, si j'y vais pas, j'y irai pas. Non, mais ça, c'est le tilt, ça. Ça, j'y vais pas, il faut que j'y aille tout de suite. Viens, on y va, viens, je la remets, etc. Machin, truc bidule, ok? T'as perdu. Non, mais c'est important, il faut que tu acceptes Dusseldorf, t'as niqué. Oui, mais c'est pas grave ça. Mais moi, je veux pas te soutirer ton argent, mon gars. Ah, vas-y. D'accord. Vas-y, il faut que je refasse. Vraiment. Ils sont. Je peux pas. Je les ai mis en mode avancé. Je peux pas abandonner mes mates comme ça. Je peux pas, c'est pas possible. Non, mais pas d'accord. Ok, très bien, j'entends. La probabilité veut qu'il y ait plus de chances que tu perdes que tu gagnes. Oui, d'accord. Partant du pire des scénarios, s'il te plaît. Pour être sûr de savoir si t'es ok avec le pire des scénarios. Vas-y. Le pire des scénarios, c'est on fait le match maintenant et à la fin. Tu me dois 400 balles et t'es encore plus vénère que maintenant. Non, parce que les 400, je m'en bats les couilles. C'est comme si moi je filais 2 balles à un clochard dans la rue demain, tu vois. Rien que pour ça, je suis tellement content que tu te sois fait piner par Dusseldorf. Tu vois juste l'état de mon bureau. Ah ouais, fais voir. Tu sais, tu te rappelles, il y avait déjà. Oui, il y avait un trou. Voilà, mais regarde maintenant. Ça a fissuré, je l'ai fissuré juste avant, jusqu'au bout. Mais ça va tomber. Parce que je me suis pris. Mec, si tu tapes dessus encore une fois, il craque en deux. Oui, je sais. Oh. Mais what? Vas-y, il a trop de la chatte là! Il a pris aucune info sur ce qui se passait en haut et tout. Si les mecs rotate, ils viennent le s*** là avec un coup de couteau. Vas-y, mais c'est trop nul comment il joue. Il va s'électrocuter. Ah non! Please, un coup de shotgun dans la gueule! Please là, faudrait qu'il push! Bite, faites qu'il ait pas l'info. Il a l'info, non! Et l'autre il bouge pas, ce fils de. Oh, les décales pourries. Le capcan? Un petit capcan, là? Oh, non! Putain, fais chier, quoi! Qu'est-ce qu'ils sont cons, sérieux, là? Putain, non, il va gagner, là. C'est la technique de l'escargot, là. J'ai l'impression que les rounds durent 4 heures. 4 heures! Là, il va tenir 1 heure sa ligne. Et ils sont débiles sur le garage. Une fois, je me suis fait enlever ici. Hein. Elle était pas là-bas, mais dans l'escalier main. Et il me l'a collé one tap. Hein. Pourquoi il rentre? Ça, c'est débile, en revanche. Ça, ça lui coûte la game. Oh non, la grenade va... Non, mais... Il va pas réussir, il va prendre trop de temps. Non, parce qu'il y a le temps, regarde, il y a encore 1 minute 30. Regarde ça. Il s'arrête pile à la range où Capcom voit pas le drone, quoi. Normalement, là, il doit casser le drone et se barrer. Et là, ça va pas le trigger, du coup, le Capcom. Oh non. Oh. Ah oui, c'est mieux comme ça, là. Oh oui, d'accord. Ah, mais je le touchais pas avant, quoi, non. Saloperie. Non. Ah, il va le... Oh non, non, pas comme ça, Saguenay, non! Let's go! Eh, le Guise, Zago, on va avoir les streams des héros de l'impact! C'est nous les héros! Please, un petit coup de karma. Attends, faut que tu me tues. En bas, ok, c'est peut-être Jim. C'est pas le plus simple, Jim, parce qu'il y a du shotgun et tout. Là, c'est bien. Il a perdu son drone, il prend Sledge. Je pense qu'il gagne 3-2. Voilà, sachez-le. Je pense qu'il perd ce round, mais il gagne au final. Oh là là. Il y en a un à gauche. Ah, putain, mais il a trop de la chatte.
Mais non! Oh non! Putain! Mais non! Mais c'est quoi ça? Moi, ils font pas ça avec moi, putain! Les mecs, ils font des 3-2 retake et tout, tu sais, là! Please! Nice! Please, coup de shotgun! Capcan! Coup de shotgun! Capcan! Il a pas l'info! Non, il va redroner ce fils de... Il a jamais fait ça de toute sa vie! 40 secondes, non mais non, mais non, mais non, non, non. Les Capcans, tunnel vision, là c'est renforcé. Ça, c'était pas tout à l'heure. Capcans, les Capcans, les Capcans, les Capcans. Boum, les Capcans, un HP. Les Capcans, un HP. Il va planter, il va planter, mais là il entend pas parce qu'il a encore le bruit du Capcan. Il va se prendre, coup de couteau, please. Il est à gauche, il est à gauche. Non. Oh oui monsieur, on va aller faire les héros les gars. Voilà. C'est ça les gars!